Fais l'enculé. Viens là, toi. Viens t'enculer, gros. Viens t'enculer. T'as niqué mon palamon. Viens t'enculer. Bonsoir, c'est moi, Tristan. Ah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale, je suis trop content. Cette vidéo est en partenariat avec... Oh merde, c'est à l'envers. Avec Sabneo. Sabneo, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui vend des sabres laser. Ceci, les amis. Donc comme je l'ai dit, c'est un site qui vend des sabres laser. Donc ça, c'est du fait main, c'est du vrai. C'est pas du toc, c'est magnifique. C'est bon. Je suis refait parce qu'en fait, c'est un de mes rêves. Je suis un grand fan de Star Wars depuis tellement de... Depuis je suis comme ça. Depuis comme ça, et du coup, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir travailler avec eux. Donc aujourd'hui... ils ont pu m'envoyer non pas un, mais deux sabres, parce que je suis un peu gourmand. Non, tout simplement parce que j'ai dû avoir besoin, comme vous avez pu voir juste avant, il y a un court-métrage qui a été fait juste avant. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du petit court-métrage avant, parce que je l'ai toujours pas tourné à l'heure actuelle, mais j'espère qu'il est bien, donc dites-moi dans les commentaires. Mais oui, j'en avais besoin de deux pour pouvoir faire ce court-métrage. Ils ont été super gentils avec moi, ils ont dit, mais vas-y, tiens, on t'en donne deux. C'est pas tout, ils m'avaient même donné un connecteur pour pouvoir les relier ensemble. De toute façon, on voit dans le court-métrage, c'est des amours. Des amours. Moi, je fais rarement d'approches par rapport à des marques pour des choses, et là, je me suis dit, Sabneo, c'est beau. J'ai reçu du coup de la part de Sabneo, le Sabneo V7 Warrior, donc leur nouvelle version qui ajoute 10 modes supplémentaires. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise pour vous. Il y a peut-être un concours, voilà, je dis ça, je dis rien, peut-être. Hein. Oh, oh. Je suis super heureux de pouvoir faire ce placement de produit parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je suis fan de Star Wars depuis vraiment super longtemps et... mon rêve était d'un jour d'avoir la chance de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un manche de sabre laser, ne serait-ce qu'avoir un sabre laser, mais plus vrai que nature, parce que moi en fait, depuis que je suis petit, j'ai eu que des sabres, des jouets. Donc ça, pour ceux qui ont connu ça, pareil, hein. Tiens, mon gogo, oh, merde. En plus, en ce moment, ils font une énorme promotion, moins 50% sur le sabre, ce qui fait qu'il est à 90€, et 90€, 90 euros pour cette merveille, mais c'est donné, je suis désolé, mais c'est beau, genre c'est beau, le poids est là, il y a tout, il y a les effets, il y a tout, c'est incroyable. Du coup, un grand merci à Sabneo, et grâce à eux d'ailleurs, mais encore merci à eux, ils vous font gagner aussi un sabre, oui, oui, je le dis, j'ai dit restez jusqu'à la fin, mais je le dis, restez jusqu'à la fin, c'est pour voir les modalités. Je vais vous faire de toute façon un petit déballage juste après de ces bijoux, parce que c'est... Depuis que je les ai, c'est simple, je suis un enfant, je m'amuse. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient l'acheter, n'hésitez pas, hein. Le lien est dans la description, ça me fait plaisir. Attention, ah oui, par contre, c'est pas le tout, mais sur leur site, en plus de vendre des sabres laser, ils vendent aussi des supports de sabres. Donc pareil, il va falloir que j'en achète deux, parce que c'est merveilleux, je vais les exposer, mon dieu. Je sais pas comment vous dire, mais c'est incroyable. Regardez-moi ce bruit. Oh là là. On va passer à l'ouverture. J'espère que le court-métrage vous a plu. Si vous en voulez d'autres, peut-être, je sais pas, peut-être que vous dites putain, c'était cool, on veut une suite. N'hésitez pas, dites un commentaire, parce que moi, ça me... Y a pas de soucis, j'adore faire ça, j'adore. C'est plein de conneries, vous avez en noir, vous avez en argent, vous avez en doré, vous avez en bleu et vous avez en rouge. Alors, faites votre choix. Personnellement, j'ai opté pour, allez, j'ai pris les noirs et les gris parce que je me dis putain, au moins, je reste dans les couleurs sombres, parce que j'aime bien les couleurs sombres. On va passer du coup à l'ouverture. Merci à tous de regarder cette vidéo, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir ce que font Sabneo pour le concours. On se revoit en fin de vidéo. Vous restez, hein. Attention, les petits lolos, vous restez là. C'est un truc qui me faisait peur au départ, si je me disais, mais si je suis en plein jour, est-ce que la lampe va s'allumer? Évidemment, si vous allez en plein soleil dehors, sous 40 degrés avec un soleil sans nuages, ça va être compliqué. Mais en intérieur, avec les fenêtres ouvertes, vous allez le voir, hein. Mais ça fait des miracles, hein. Je suis désolé, mais là, ils ont vraiment géré Sabneo. Du coup, présentation du produit, ouverture, explication des modes, des vidéos tests, et on se revoit juste après. Voici comment est présenté la contenu de la boîte, tout simplement. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a avant tout? À la fin. Déjà, nous avons du coup les petits sacs pour commencer. Nous avons aussi le droit, du coup, étant donné qu'il y a deux lames, deux manuels, donc nous on n'aura besoin que d'un évidemment, très complet, et un petit fascicule avec les réseaux de Sabneo que je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment des personnes extraordinaires, ils sont géniaux, n'hésitez pas à foncer, les lames. En vrai, nous avons des lames qui sont très très solides, comme vous avez pu le voir de toute façon dans le petit duel juste avant. Donc on a des lames PVC qui sont vraiment très très solides, parce que faut pas oublier que c'est fait pour le combat de base, hein. C'est du solide. On va passer au vif du sujet, hein, les sabres. La finition, je vous le dis, elle est juste incroyable. Regardez-moi ça. La finition, elle est incroyable. Je m'attendais pas à que ce soit aussi beau. Le poids, mais c'est vrai, quoi. C'est du vrai. Et du coup, j'ai pu avoir la chance d'avoir un deuxième sabre aussi. Donc, j'avais le choix des couleurs. J'ai pris gris.
Parce que moi, je reste dans les teintes un peu foncées. Il y avait pas mal de couleurs. De toute façon, je vous mets en photo directement les couleurs qu'il y avait. Donc, il y avait du rouge, il y avait de l'or, etc. C'est, les finitions, je suis désolé, mais elles sont extraordinaires. Oh, c'est clean, c'est propre, c'est magnifique. Il n'y a rien à redire. Du coup, les amis, pour allumer ça, c'est assez simple. J'ai passé toute une soirée à feuilleter le manuel, à tout comprendre, tout comment, ce que voulait dire chaque mode et tout. Ce qui est bien avec cette édition V7 Warrior de Sabneo, en fait ils ont ajouté 10 nouvelles fonctions qui sont juste incroyables et qui en fait fait tout en fait. Mine de rien, en plus de l'aspect physique qui est extraordinaire, ils ont ajouté des modes qui font en sorte que c'est encore plus réaliste. Du coup, qu'est-ce qu'on a de plus sur cette lame? C'est tout simplement, du coup on a le swing sound. Le swing sound, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'effet de mouvement de lame en fait. Quand on bouge, ça fait le bruit. De toute façon, il y aura des images à l'appui. Vous en faites pas là-dessus. Nous avons un effet de verrouillage. Donc, quand c'est lame contre lame, ça fait vraiment des étincelles. Là, il n'y a pas les étincelles, mais on a l'effet de lame qui est juste incroyable. 10 modes sonores, ça c'est le truc que j'ai découvert. Genre, en fait, je m'amusais avec le sabre et tout. J'étais en mode putain, c'est génial. Je fais c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Je regarde le manuel, je fais mais si, je suis bête, il y est. Et en fait, c'est tout simplement de changer le son de quand on l'allume, quand on l'éteint, les bruits de lame, etc. Évidemment, c'est fait sur Star Wars, donc il y a Obi-Wan, Dark Vador, Ahsoka, Luke, même Kylo Ren et tout ça, et c'est juste extraordinaire, ça donne quelque chose de plus réaliste. On a évidemment les flashs au choc, donc, basique, quand on tape manche contre manche, de toute façon il y aura plein de vidéos, il y aura des vidéos à l'appui. De toute façon, dans le court-métrage du début, on voit la totalité des modes que je cite. On peut changer donc la couleur du sabre, ce qui est indispensable à mes yeux en fait. Bleu, rouge, violet, blanc, tatou, c'est magnifique, j'adore. C'est pour coller au maximum, je pense, à tes goûts et à tes couleurs. Évidemment, du coup, on peut régler le volume en bas, en haut, et évidemment, on peut carrément enlever le son. Ça doit être super agréable, par exemple, pour ceux qui pratiquent le sport de combat, et qui, au bout d'un moment, ils en ont marre du son, ils se disent, les gars, le son c'est cool, mais voilà, donc ils enlèvent le son, je trouve ça génial. Donc on voit que c'est très adapté aux pratiquants, et ça c'est cool. On a l'effet blaster, ça pareil, je pense que c'est quelque chose qui est super cool. Pareil, pour tout ce qui est court-métrage et tout, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton, ça fait le fait d'un blaster, et je trouve ça génial. Et on a une chose que j'ai, au début je trouvais pas comment ça marchait, mais j'ai compris, en fait c'est tout bête, et pareil je le montrerai de toute façon, mais c'est le swing on, en gros pour allumer avec un effet tout simplement d'un geste d'allumer le sabre, et je l'ai compris assez tard, parce qu'au début je voyais des vidéos sur internet, tout le monde faisait comme ça, j'ai dit mais moi ça marche une fois sur 40, je comprends pas, et en fait c'est juste moi qui est un peu con, parce que swing on ça veut tout simplement dire en gros un swing quoi, comme au golf. Avec la lame va jusqu'à ici environ, et en fait là on voit la lumière par les trous, et on voit la lumière aussi par ces petites fentes, et ça donne un effet magnifique, magnifique. Du coup, pour les allumer c'est très simple, une pression de 4 secondes sur le bouton du milieu, on voit déjà les 4 secondes, on le met, incroyable. Une pression pour allumer, assez simple. J'avais peur que la lumière soit pas assez forte, mais c'est totalement l'inverse. De jour ça se voit super bien, et de nuit c'est encore mieux parce que ça éclaire quasiment toute une pièce finalement. Donc on peut changer l'allumage. Donc là, normalement j'ai l'allumage basique. Comment ça se passe pour changer le mode? C'est tout simple. Le sabre laser, quand il est juste en mode veille, c'est-à-dire avec le petit bouton bleu allumé, mais que la lame n'est pas active, suffit de faire 2 pulsations. 1, 2. Chaque fois qu'on fait cette manipulation, la lame va changer de son. Et en fait, ce que dit le personnage en gros, c'est le bruit du sabre du personnage en question. Donc là, comme on l'a entendu, du coup, j'ai le sabre de Luke. Là, on a General Kenobi. Je vous laisserai découvrir les sons qu'il y a. Il y en a une dizaine. C'est pas expliqué dans le manuel qu'il y a, mais il y en a pas mal. Il y a Qui-Gon, il y a Obi-Wan, il y a Dark Vador, il y a Ahsoka, il y a Kylo Ren même. Celui de Kylo Ren, il est incroyable. C'est une des premières choses qui m'a vraiment plu dans ce sabre, c'est que même quand il fait jour, comme là actuellement, là il fait beau, hein, il y a un grand soleil, hein, on voit la couleur. Mais c'est que la lumière, elle se voit vraiment quoi. Genre là, on voit pas les bords, on voit vraiment que c'est clean, c'est beau. Ça reflète même sur mon sol, pour vous dire. Rouge, le rouge, oh là là, non, je vous le dis, hein, je l'ai essayé de nuit, il est incroyable le rouge. Du beau bleu foncé, du jaune, du bleu assez sillon, assez turquoise finalement, et là du bleu... C'est beau, pareil, regardez, à la base, ça se voit pas, enfin, on voit la couleur comme si elle se dégageait, c'est beau, c'est incroyable.
trop heureux. En vrai, pour un fan, moi je suis un fan de Star Wars depuis que. Pas que je suis né, mais depuis l'âge de quoi 5-6 ans peut-être, je sais pas. Et c'était c'est un rêve, hein. C'est un rêve qui se réalise en soi, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une réplique, enfin un sabre assez réaliste, et là je l'ai, et c'est beau quoi, c'est beau. Et c'est pour ça que je remercie vraiment Sam Neo de m'avoir fait confiance, c'est de vraiment m'avoir donné l'opportunité de pouvoir tenir ça un jour de mes propres mains, c'est beau. On a aussi un effet de verrouillage, donc sabre contre sabre. Comment participer au concours? Parce que Sam Neo, en plus de me régaler, il vous régale. Oui, oui, bah oui. Dans la description se trouve un lien Instagram. Ça va se passer sur Insta. Ceux qui n'ont pas Instagram, vous prenez 2 minutes, vous en faites pas. C'est pas très long. Ça prend 2 minutes à configurer, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez avoir une publication. Il va falloir évidemment suivre ma petite page Instagram. Suivez aussi Sam Neo. De toute façon, il y aura tout marqué. La date de fin sera évidemment sous le post Instagram. Participer, ça vaut le coup, je pense. Sam Neo, il vous régale avec un sabre laser qui est d'une qualité mais monstrueuse. La finition, mais elle est magnifique. J'avais peur. Hein. Mais elle est magnifique, vous l'avez vu dans la vidéo de toute façon. C'est clean et tout, c'est beau, c'est du vrai, quoi. Voilà, encore merci énormément à Sam Neo de m'avoir fait confiance. Ceci va finir évidemment dans mon prochain décor de stream, parce que comme vous l'avez peut-être remarqué ou pas du tout, genre déménage. Oui, bon, encore une fois. Bon, oui, ça fait jamais que 6 fois dans l'année. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo, je vous le dis aussi, elle marque le début de mon retour sur YouTube. Sur Twitch, je suis revenu depuis un petit moment. Mais là, les amis, ça va chier. Je vous dirai encore jamais assez merci, Sam Neo. N'hésitez pas à aller les voir. Le site est dans la description. Je vous invite vraiment à aller jeter un oeil. Moins 50% sur les sabres. Les gars, profitez-en. Sur ce, moi, je vais aller combattre le seigneur noir des sites. J'arrive, Dark Sidious! N'oubliez pas que je live aussi sur Twitch de temps en temps. Bientôt un petit planning. Rejoignez mon Discord et surtout, allez vous follow à la page Twitch. Des bisous.